Bonjour les cancers, merci d'être de retour avec nous. Alors voici donc l'amour, la mission de vie et abondance et bien sûr le guide du mois. Je vais regarder le guide du mois à l'avance, j'ai envie de commencer par ça. Ok, Bassois. Donc divination. Quelles sont les choses? Donc c'est la fée des divinations et elle est là justement pour vous dire que vous avez donc plein de messages de l'univers qui vous disent quoi faire. Donc voici votre amour, Page of Cups, Tower et 8 de Pentacles, de pièces. Et donc là, ce que je vois pour vous niveau amour, c'est que vous avez pas mal de challenges là, ce que je vois pour vous. Vous êtes un peu en train de vous remettre en question. Si vous avez ces capacités, j'espère. Et donc, il est important pour vous de savoir donc, dans quelle direction de votre amour vous voulez aller. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le jugement de vous. Que vous êtes. Comment dire Il y a beaucoup de résistance, je vois. Donc, c'est comme si vous êtes en train de dire que la faute n'est pas la vôtre et qu'il est important que vous vous preniez responsabilité et de sachez que vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour vous. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il faut mettre le travail. Même si c'est pas ça que vous voulez pas que ça soit difficile, que vous voulez que ça aille facilement votre vie amoureuse, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire. Donc faites le travail sur vous et sachez que tout ce travail, ça va vous apporter plein de belles choses. Ça va être une ouverture dans des mondes que vous pensez même pas être possible et que vous allez recevoir justement une guidance qui est vraiment mais animée par Dieu déesse et que vous allez recevoir justement ce que vous voulez si vous êtes prêt à faire le travail sur vous. Donc l'amour que vous désirez. Et donc là, pour votre mission de vie, bah, c'est très bien. Enfin, ce que je vois, c'est que vous avez un désir donc d'apporter aux autres, de vraiment être la prêtresse, la déesse, et de vraiment donner à ceux qui ont besoin et de créer un monde nouveau. Et vous êtes vraiment sur cette vague avec nous. Et que donc, je trouve que c'est très bien, vous êtes en alignement. Donc, même si votre vie amoureuse est un peu en chaos, je vois que donc pour votre mission de vie, c'est très bien. Je vois que vous êtes en train de vous donner permission de vous voir succéder, enfin, d'être dans le succès et que vous pouvez justement recevoir ce que vous avez besoin. Et je vois que si vous continuez sur le chemin que vous êtes, vous allez vous épanouir dans votre travail en tant un agent qui va amener le changement sur la Terre. Donc vous avez votre mission qui est bien placée et donc sachez que vous pouvez continuer sur cette voie et vraiment faites-vous confiance parce que c'est comme si, enfin, honorez l'ombre et la lumière et sachez que toute résistance qui peut se présenter sur votre chemin, c'est justement pour vous apprendre des leçons qui sont nécessaires à votre croissance. Donc faites-vous confiance et je vois que vous êtes sur un bon chemin là. Ok, et au niveau abondance, donc, en fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu en doute que ça soit possible donc de faire ce que vous aimez et que l'argent vienne avec. Et donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment même si l'argent semble être difficile à acquérir ou si vous êtes un peu en stress par rapport à l'argent, ce que je vous conseille vivement, c'est faites confiance à l'univers. Faites confiance au fait que ça peut être facile. Ça peut être facile. Et faites le bilan de ce qui s'est passé avant et regardez en arrière que vous avez eu un apport, un support de l'univers.
Et la fée Bassois, elle est là justement pour vous dire que vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez donc lire dans le futur, mais c'est vous qui changez dans le moment présent. Donc soyez vigilant à ce que vous êtes en train de mettre dans le monde, qu'est-ce que vous voulez mettre dans le monde. Et faites en sorte que ce que vous êtes en train de mettre dans le monde, c'est ce que vous voulez mettre dans le monde. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous... Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire ou de vous souscrire. Et je vous retrouve pour le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.